Allez, bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de notre marathon Final Fantasy XIV. Ah ouais? Ah donc, aujourd'hui, comme d'habitude, on commence par se faire un petit donjon avec le mage rouge. Et puis après, on continuera notre fantastique épopée où on s'était arrêté au beau milieu d'Ulda. On avait retrouvé deux personnages connus, sans dire qui c'est pour pas spoiler éventuellement ceux qui n'ont pas envie de suivre l'épopée. Ah ouais? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et que vous profitez de cette belle journée, ma foi. Alors du coup, comme d'habitude, on va aller faire un petit tour au Gold Saucer. Et puis, si on n'a toujours pas trouvé de match, une fois qu'on aura fait notre bingo journalier, on ira voir un petit peu la classe de samouraï. Eh ouais, parce qu'on avait commencé les quêtes hier. Et du coup, on avait obtenu notre katana et notre tenue, il me semble aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il faudrait s'occuper un petit peu de tout ça aussi, histoire de voir un petit peu ce que ça donne ce job. Même si j'ai encore appris plein de trucs hier sur le job de mage rouge, et que je suis sûr que je vais encore en apprendre plein aujourd'hui, et ça va être formidable. Allez! À tout ce Gold Saucer, et puis on va s'amuser. Eh ouais. Est-ce que aujourd'hui je fais enfin avoir mes 10 000 jetons ou est-ce que ça va encore tourner court et je vais me ramasser avec 3 jetons bonus? On sait pas, le suspense est à son comble. Ah, je me dépêche du coup, il faut vite qu'on sache, c'est super important. Le monde doit savoir, le monde ne peut plus attendre. Et ça, j'en ai bien conscience. Ah, vas-y. Allez, alors. Ouais. À 9, 3, à 8. Donc ce serait là. Raté. On continue. À deuxième chance. 5, 9. Ah, là, ce sera nulle part, comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, attends. 9 et 9, 18, ça fait 119. Ah, c'est pas top. Je tente ici. Ah, 3600. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais peut mieux faire. Moi, je veux les 10 000, monsieur. Donnez-moi les 10 000. Ah, non, on les aura pas. 15. Ça fait combien, 15? 180. Ouais. Ah, vas-y, je prends les 180. Comme ça, moi, on a au moins gagné quelques copecs. C'est toujours ça de prix. Il n'y a pas de mini-jeu, hein. Je viens pas au bon horaire, en fait, le matin. Il n'y a pas de mini-jeu en cours. C'est un peu dommage, ça. Ça pourrait y occuper un petit peu. Ce serait cool. Autant le mini-jeu, il commence que à écart. Du coup, faudrait voir. Peut-être qu'on va attendre 2 minutes, histoire de voir s'il se passe un truc. Peut-être qu'éventuellement, à écart, il y aura un mini-jeu à faire. Ça pourrait toujours passer 4 secondes. Et en attendant, je vais relire mes actions de job. Voilà. Visiblement, j'ai pas tout compris. Alors. Effectue une attaque magique neutre sur la cible. Remplis la jauge, la mana noire et la mana blanche de 3 secondes. Et tu vois, c'est marqué nulle part que, à coup sûr, ça te file un bonus qui permet de booster vers vent et vers foudre. C'est quand même sacrément con, ça! Parce que là, après, vers foudre, on me dit... Ah bah oui, effectue une attaque magique de foudre sur la cible, d'accord. Par contre, il y a ma souris qui fait de la merde. Oui, non. Puissance 300, remplis la mana noire de 11. Oh, fait chier. Faut que je refasse mon setup à tout prix. Faut que j'y pense. Et 50% que vers feu soit préparé, vous soit octroyé. Et donc, c'est dit nulle part que à coup sûr, enfin à coup, ça te donne un bonus. C'est quand même fou, ça. Les gars, ils avaient un truc à faire et ils ont réussi à le louper. Donc ça entrave, d'accord. Après, éparpillement. Effectue une attaque magique neutre sur la cible et les ennemis alentours. Puissance 100. Remplis la mana noire et blanche de 3.
25% de chance qu'éparpillement amélioré vous soit octroyé. Durée 10 secondes. Ah, ça y est, il y a un mini-jeu. Suce à l'imposteur. Oh mon dieu. Je déteste ce mini-jeu. Voilà, et puis éparpillement amélioré, c'est pareil. On te dit pas ce que c'est. Ah si, remplis la banane noire et blanche de 8. D'accord. Mais d'après ce que j'ai vu aussi, ça lance éparpillement directement. Et ça, ils te le disent pas. C'est un peu la loose quand même, niveau description des sorts. Bon, après, c'est les combos à l'épée. Il y a flèche, c'est l'attaque une fois de temps en temps. Hein. Ça, c'est pareil. Et du coup, accélération, ouais, c'est pour déclencher automatiquement vers foudre et vers vin. C'est une sorte de magie prompte, mais juste pour ces deux sorts. Allez, du coup, on va se promener, on va faire le mini-jeu, même si il est un peu dégueulasse. C'est pas grave. Alors... Ah non, c'est au-dessus. Ok. Donc là, en général, ça me fait tellement chier. En fait, il faut retrouver quelqu'un qui ressemble au monsieur. Voilà. Donc le monsieur... Enfin, la madame. Elle est comme ça. Le problème, c'est que, bah... J'arrive jamais à m'en rappeler. Du coup, en général, je prends les personnes au pif qui sont les plus proches du PNJ. Parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Genre là j'en sais rien. Est-ce que c'est la même ou pas? On va dire oui. Ah ouais. Raté. Merde. Bon bah tant pis. C'est un échec. Mais c'est pas grave. Comme ça on peut continuer notre quête de samouraï. Alors attends. Alors, du coup est-ce que j'ai l'épée? Ouais j'ai l'épée du samouraï. Ok. Donc on peut l'équiper. Ah, c'est Hein? Attends. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est une arme de barde! Rien à voir! Moi je suis là! Attends, on va lire le tuto. La marque Zetsugeka. Ah! Alors qu'est-ce que ça fait cette marque? La marque Zetsugeka indique si les effets Zen-Setsu à Getsu gauche et Eka à droite vous ont été octroyés en utilisant certaines techniques d'armes. En fonction de leur nombre, Yaijutsu est remplacé par Igambara, Tenkagoken ou Midare Setsugeka. D'accord. Mais encore, ah, du coup, il faut la rendre visible. C'est où? Ça doit être tout en bas. Voilà, c'est là. On va pas la laisser au milieu de l'écran, ça sert à rien. On va la rapetissir un petit peu comme là, voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. Voilà, on sauvegarde, ok. Donc là, tout va bien. Là, on peut virer l'attaque automatique, ça, on y va. On va même mettre sur la deuxième barre. Ok. Voilà, comme ça, on peut ramener ça ici, et ça, là. Voilà. Alors attends. Du coup, inventaire. Voilà, mon inventaire il est plein. Merde. Ah, faut être à Gridania et tout. Le Harryman je l'ai. Il faut que j'aille le vendre. Putain. Attends, du coup, on va pas se promener en slip. Ah merde, j'ai pas enregistré la tenue de mage rouge. Ah, à faute. Y'a faute. Mais si. Attends. Mage rouge, bah oui, c'est celle-là. Voilà, tout simplement. Alors attends, faut vite aller vendre la carte. C'est par où? C'est par là-bas. La carte du Harryman. Et puis vendre quelques trucs aussi. Attends, est-ce que j'ai. Je peux filer des trucs à mon larbin. Voilà, je suis peut-être un larbin, mais j'ai toujours mon propre larbin. Attends, non. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. On va lui filer tout ce qu'on peut. Parce que là, niveau place, c'est pas top. Hein.
Voilà, c'est le gros problème de FF14. C'est que, c'est la grosse merde. Au niveau du stockage des objets, on a deux mules, mais alors... Ah, qu'est-ce que c'est l'angoisse. Faudrait que je regarde d'ailleurs si je peux envoyer des objets à mes autres persos. On a une deuxième page. Ah, enfin on a une deuxième page. Ah, il était temps. Ah oui. Ah, du coup ça va être un peu mieux alors. Ok. Voilà. Je vais quand même me débarrasser de toutes les potions et compagnie hein, qui servent à rien. Alors attends. Faudrait trouver un vendeur à l'occasion. Bon, déjà lui on va lui vendre la carte nulle là. Tiens vas-y. Voilà. Hop. Et on retourne à Uba. C'est bizarre quand même que le Gold Saucer ça compte pas comme une grosse ville. Pour utiliser les équipements. C'est un peu dommage. Alors. Du coup, il est où? Il est où? Ah, il est là. Voilà. Alors. Ah, du coup, on reprend le petit katana. Voilà, et j'imagine que c'est celui-là. Ok. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah bah oui, ah, c'est mieux tout de suite. J'étais en train de regarder le... le jeu un peu bizarrement. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait? Contrôle. Non, je garde la ceinture. Discernement. Ah oui, pourquoi pas. Alors, niveau 50, ouais. Ah, Samurai, c'est 115. Du coup, là, j'ai encore des trucs level 120. Donc, on les garde. Après, oreille, intelligence, non. Moi, ce qu'il me faut, c'est de la force, j'imagine. Mais j'ai pas de force. Merde, t'es sérieux? Ouais. J'ai pas de boucle d'oreille de force. Ok, faudrait que je vérifie un petit peu mes servants, parce que c'est eux qui doivent avoir tout le bordel, en fait. Ouais, ça doit être eux. C'est complètement mes servants qui doivent avoir mes trucs de force, parce que je pense pas que ce soit moi qui les ai gardés. Qui les ai jetés. Ok, donc on va enregistrer la tenue, du coup. Hop. Voilà. Et puis on va partir au marché. On va faire un tour marché vite fait. District politique, ouais, pourquoi pas. Sinon c'est où l'autre? Marché de la... Non. Là-bas. Donc il faudrait que je récupère les accessoires et une ceinture pour en force et en intelligence. Alors, le marché... Ah, on peut se téléporter directement à l'aérodrome maintenant. Ah, je savais même pas. Ah, c'est trop cool. Ah, petite découverte du matin. Ça fait bien plaisir. Alors... Attends. Ah, du coup, faut que j'appelle mon autre servant. Voilà, il a terminé ça. Ah! Attends. Attends, on reviendra après, petit servant. Ah là... On y va en tant que mage rouge, du coup. Voilà. Allez, on y va. Et... Alors... Encore ? Ah merde ! Ah, c'est tellement toujours les mêmes donjons qu'on se fait. Ah ouais, à trois français et un anglais. C'est qui l'anglais? C'est Navira. Ah, c'est un DPS. Merde.
J'aurais préféré avoir l'anglais, le tank. Bon, bon, moi, il n'y aura pas grand-chose à faire. Et juste à bourrer les AO. Et puis, bah, terminé. Ouais. Ah mon dieu. Ah le heal qui a pas capté. Ah si c'est bon, fait. Le heal a compris que c'était un peu mieux de venir par là. Donc j'ai chopé la grosse sur un gars. Ok. Oh. Ah bah on a survécu. C'est déjà pas mal. Et...
Ah merde, ah je me suis planté. Ah c'est pas grave. Personne n'a rien vu. Ah j'y crois. Ok. Bon, le heal, il a un tout petit peu failli mourir 15 fois, mais... He's ok. On est toujours là. On va prendre ça d'abord. Voilà. Voilà, là, il faut que je fasse attention à pas finir dans le vide. Pas comme hier. Ok. Okay. Alors, c'est par où? À lui en premier, bah si tu veux. Y'a pas de problème. Ah, il s'en va comme ça. Ah, c'est pas passé. Je comprends pas pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais bon,
C'est pas comme si on pouvait avoir des explications claires, hein, de toute façon. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends rien à ce qu'il fait, ce tank. Il promène les mobs, mais pas trop, du coup on sait pas. Ah, l'angoisse. Des trucs très bizarres quand même. Alors. Ah, quand même. Bonjour petit boss. Non, là c'est lent, tu sais pas pourquoi. Alors. Ah, c'est chiant. Ah,
D'accord, en fait, c'est parce que j'ai l'aggro. Ah, du coup, mes sorts se font interrompre, en fait, depuis tout à l'heure. C'est pour ça que ça marche pas, alors. C'est ça. Si j'ai bien compris l'embrouille. Attends, là, non. Ah, personne m'a interrompu. Ah, c'est tellement pas clair. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Ah, gros heal. Hein. Gros heal. Hein. Oh mon dieu. Allez, ami samouraï, viens m'aider. Ouais, de toute façon, j'ai le combo au tête. Pourquoi je me fais chier? Ah, lui il est mort! Génial! Allez, c'est bon, j'ai pris la grosse sur un autre. Ok. Ouais, je vais essayer de le DPS tout seul, hein, écoute. C'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est sûr. Voilà. Ah. Attends. Ah, moi, je les attends là, je bouge plus. Ah, je bouge totalement plus. Ah, merde. Ah, ça y est, mort, repéré. Ah, c'est mort. Ah, je cours. Ah, je m'en fous, je vous en ramène d'autres. Ils sont où? Ah, cassez-vous. Tu crois que si je fais assez... Alors moi je suis pas mort. Allô? Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. C'est mieux. Voilà! Ah, le Z du Zoro! Je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. C'est très bizarre. Ça fait un peu trollilol de Dark Sasuke. Il fait son Z, il est content. Ils auraient pu trouver autre chose quand même. Non, non, mais ressort pas. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, l'angoisse! Ah bah ouais, voilà! Je suis comme qui dirait pas très serein. Allô, le heal? Merci, petit heal! Okay.
Tu crois qu'il va comprendre au bout d'un moment qu'il faut s'écarter ou C'est complètement mort. Non, non, il continue de faire le mongolo au corps à corps. Ça, y a pas d'envie. Ah bah écoute, mon gars... Ah mais c'est bien, hein. Au bout d'un moment, on peut plus faire grand-chose. Ouf. Bon. Non, non, pas GG, hein. Ah, pas GG du tout, mon gars. T'as rien compris. Oh, l'angoisse. Ah, vite, on s'en va. Ah, vite, vite, vite. Hein. Allons de Dieu. Allez. Bon, on peut reprendre l'épopée là où on l'a laissé. Et puis, on va tâcher d'oublier... cette équipe de bras cassés le plus vite possible. Ah, du coup, j'ai complètement oublié d'honorer le petit anglais, là, le petit DPS qui a pas fait un boulot dégueulasse, n'empêche. Il a sorti la LB direct. Ah, tu resteras dans nos cœurs pour moi 5 minutes, petit anglais. Merci d'avoir été là, parce que... Sinon, ça aurait été encore plus compliqué. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai besoin de vacances. Une fois que t'as fait un donjon avec des gens comme ça, t'as besoin de vacances. Toujours. Il faut aller se reposer après, parce que... Ah, il faut au moins ça. Allez, 12 personnes. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a pas besoin d'attendre. Ouais, c'est bon. Oui, Manette-chan, t'inquiète pas. Si tu pouvais arrêter de te déconnecter aussi en plein donjon, ce serait cool. Oui, Manette-chan. Oh merde, putain, faut vraiment que je change de câble. Faudrait que je regarde si j'en ai pas. Il me semble que j'en ai un quelque part dans un tiroir. Il faut que j'y pense à regarder, j'y pense pas en fait. Ok, alors, bah nous on était du coup toujours la petite Alamego. On avait retrouvé Papa Limo et bah. Et puis bah, on enquête sur le faucon qui porte un masque de fer et qui utilise aussi des doublures pour rester à l'abri dans son coin. Et là on va parler à Tilebot pour lui donner une bourse de Jill et se déguiser en Migwa et essayer de leurrer la doublure du faucon parce qu'il doit savoir où se trouve le chef, évidemment. Ah, j'ai du mal à entendre. Ah, tu veux que je te fournisse des vêtements de réfugié? Ah, c'est une blague, j'espère. Mais non, mais j'ai ce qu'il faut. Attends, par contre, la souris fait chier aussi. Oh, mais il y a tout qui fait chier, en fait, ce matin. C'est pas la bonne matinée, faut croire. Je sais pas ce qui se passe, c'est pas grave. Ah, mais t'es une amie de Papa Limo. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Attends, bouge pas. J'ai exactement ce qu'il te faut. Ah, tiens, voilà deux tuniques et deux paires de trousses. Elles sont un peu usées, mais avec ça, ton pote et toi auraient aucun mal à vous fondre dans la masse misérable, des misérables qui croupissent ici. Ah, génial! Alors... Ah, je sens que je vais avoir l'air ridicule dans ces vêtements. Enfin, quand il faut y aller, il faut y aller. Ah bon, je vais me changer à l'abri des regards. Retrouvons-nous à l'endroit convenu lorsque nous serons prêts. Ah, d'accord? Ah, du coup, je vais avoir l'air d'un clodo avec un lampadaire dans le dos. Ça va être absolument formidable. C'est ça. Ouais, ça doit être ça, j'imagine. Est-ce qu'il y a les jambes aussi? Ah, j'en ai deux. Attends, j'en ai deux. Non, mais arrête, souris. Ah, tu fais chier. Où c'est que je pourrais la foutre pour pas qu'elle... Comment je pourrais faire? Je sais pas trop. Attends. Hop. Si je te pose là, éventuellement, est-ce que tu continues de faire de la merde? Non, ça a l'air d'aller. Ok.
Chaussures mi-cotte. Non, ça c'est les tenues de base. Ok, c'est bon, je suis un réfugié avec un lampadaire dans le dos. Mais un réfugié quand même. On sait pas trop. Attends, hop. Ah, mais faut aller là-haut. Ah, d'accord. Attends, faut sortir. Hop. Voilà. Et on fait le tour. On va où? On va là. Ok. Alors, bonjour. Ah, il est là, le fifi. Ah, du coup, ça va, il a toujours son charisme habituel. Ah, je suis rassuré de voir que vous avez l'air aussi ridicule que moi dans cet accoutrement. En tout cas, cela devrait nous permettre d'approcher le faux griffon sans susciter sa méfiance. Ah, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'attendre qu'Ida et Papa Limo conduisent la doublure jusqu'à nous. N'oubliez pas, nous sommes des réfugiés qui cherchent à se joindre à la résistance. Évitez de trop sourire et soyez aussi naturel que possible. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de sourire, je souris. Annai Gokuro. アラミゴ解放運動に関心を持つ勇士がいると聞いた。君たちのことで間違いないな。ええ、あなた方の活動に大変興味があるのです。Ah ouais. Ah, réfugié, ça s'exprime toujours comme ça. アラミゴ解放軍は武器も数も帝国軍に劣っている。だからこそ仲間を失うだけの無謀な戦いは避けてきた。しかし鉄仮面殿の主張は異なるようだ。単刀直入に伺いましょう。あなた方はアラミゴ解放のために蛮神の力を使うつもりではありませんか？そのためにイシュガルドの密輸犯から大量のクリスタルを受け取った。我々の仲間がすでにその密輸犯を捕まえています。正直に答えてよね。そっちが影武者だってことも分かってるんだから。なるほど、噂に聞く暁のものだな。であれば隠し通せはしないか。確かに私は鉄仮面教の影武者だ。そして本物の指示を受け、この地でクリスタルを受け取った。しかしその目的は我々自身が蛮神を召喚するためではない。アマルジャ族と取引をしたのだよ。彼らが蛮神召喚のために欲しているクリスタルを与え、代わりにアラミゴ解放のための傭兵を借りる契約だ。自分たちが良ければ蛮神が召喚されても構わないってこと？めちゃくちゃだよ。そんな風に他の地域を傷つけながら革命を遂げたって、傷つけた誰かから報復を受けるだけ。それじゃいつまで経ってもアラミゴは解放されない。まるで綺麗事だな。そうやっておじけづくからいつまでも解放ごっこのままなのだ。暴挙の一つも犯す覚悟なしに20年成し得なかった古国奪還など不可能。テスカ面教こそ真に戦う覚悟をなさった革命者だ。
クリスタルの行方について君たちの言葉を信じる根拠は？アマルジャ族の砦に乗り込んでもらうしかないな。運が良ければ神が降ろされる前に回収できるだろう。私たちが隠し持っていることを疑うのなら、こちらでの拠点にしているキャンプまで同行し、調べてもらっても構わない。アラミゴ解放軍については少なからず知識がある。僕とイダでキャンプを調べに行ってもいいかな？では彼らをキャンプに案内しよう。もしやあなたが暁の英雄殿か？ああ、そうなのだな。鉄仮面鏡のもとにはかつてあなたに救われ勇士に勇気づけられて聖戦に身を投じた者も少なくない。かくいう私も国営の森のクオーリーミルであなたのもたらした薬によって救われたアラミゴ人の一人。あなたはきっと覚えていないだろうが、多くのアラミゴ難民に代わり改めて感謝しよう。くじけた者を導いたあなたはまさしく英雄だ。どうか私たちの戦いを見守ってほしい。いつまで拗ねてるつもりだよ。言い返せなくて悔しいならあいつらに代わって君が解放運動の前線に立つかい？それは。どうあれ鉄仮面たちの動きは長年停滞してきたアラミゴ問題に流れを生じさせている。その先端たる今この時の行動は波紋を描きやがて対局を左右するだろう。そろそろ君自身の決断と向き合えよ。相棒からの助言はそれだけだ。La doublure du Griffon semble bien vous connaître. Disait-il vrai quand il affirmait que vous lui avez sauvé la vie autrefois? Ah non, elle ne me répondait pas. Votre passé ne me regarde pas. Ah, c'est qu'importe. C'est que vous soyez présente à mes côtés pour combattre les dangers qui menacent Erzea. Pour cela, vous aurez toujours mon admiration la plus sincère. En attendant, vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir et vous accompagner dans votre lutte. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on a à manger? Un flognard aux pommes. Un gâteau à base de pommes ressemblant au pudding. Oh, bof. Cordon bleu. Ah! Un spaghetti pescator. À ses pâtes à la marin pêcheur. Ah non, il y a du poisson. On prend le cordon bleu. Ah, si la doublure du griffon dit vrai. Les Amajas de Zaharak sont actuellement en possession d'une importante quantité de cristaux. Vous avez déjà dû affronter leur primordial par le passé, et vous savez mieux que quiconque combien il peut être dangereux. Et compte tenu du caractère imprévisible de la situation, il est nécessaire d'agir avec la plus grande prudence. Allons chercher à analyser, et mettons une stratégie au point. Ah ouais. Mais oui, mais t'inquiète pas, Manetchen, tout va bien. Attends, je vais essayer de te débrancher carrément. Voilà, et de la rebrancher, j'en sais rien. Peut-être que ça va faire un truc. On sait pas, j'espère. Alors attends. Voilà. Ah, il faut que je répare mon stuff aussi. Petit amigo, on retourne là-bas. Ah bah allez. Alors attends. Ah, il y a une entrée là. Ok.
Alors, est-ce que je vais réussir à retrouver mon chemin par ici? Ça, c'est une grande question. Ah bah si, c'est bon en fait. Ça va. C'est pas trop compliqué. Ok. Et du coup, les réparations sont là. Voilà. Hop, comme ça on est safe. Et on peut continuer tranquillou. Ah, j'espère que le griffon ne vous a pas fait attendre des heures, comme notre ami Sandcred. Ah, plus sérieusement, qu'avez-vous pensé de son allocution? Ah bah, c'était nul! Quoi? Eda et Papalimo, ici? Ah, il me tarde de les revoir. Mais avant cela, nous allons devoir nous infiltrer en territoire ennemi. Et pas n'importe lequel. Le camp de Zaark Aark. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est quand vous voulez. Et mes lames sont aiguisées et prêtes à trancher de la Majla. Ah bien, je propose que nous nous rendions à l'entrée du camp pour commencer. Nous y observerons les agissements des hommes bêtes avant de lancer notre offensive. Ouais! Ah mon dieu, l'homme mystérieux! Le griffon a suivi les instructions à la lettre. Tous les acteurs sont à présent en scène. Il ne reste plus qu'à lever le rideau sur les derniers actes. Il va falloir sortir la bonne carte, car une telle occasion ne se représentera peut-être jamais. En tout cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir la tâche qui est mienne. Appuyez-vous m'aider à rétablir l'équilibre. Ah, Baston ! Un Baston ? Je ne vois rien d'inhabituel. Je suppose que les Amaljas se sont déjà réunis autour de l'hôtel au cratère des Tisons. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons intervenir avant qu'il n'arrive à invoquer Frit. Allons-y ! Ah, les scènes cinématiques sont nombreuses et cruciales ! Wouh ! Allez, vas-y, on y va. On a une heure, normalement, c'est ok. 2 heures, je sais pas, ouais 2 heures. C'est vrai qu'on s'arrête à 1 heure. Mieux d'ana. Saïdan, près de l'hôtel, mais la sécurité est trop dure. D'ailleurs, Amaljas族 de Taïman, c'est pas ça, mais ça. よう、相変わらず遅すぎだぜ、甘ったれども。これは、君たちがやったのか。しかし、なぜ？アシエンの野郎は。相も変わらず、万神討伐によって蛮族どもを絶望させ、新たな神を呼ばせようとしてるんだがな。俺たちはやめたんだ。そういう面倒なやり方は。何せ、時間がないもんでな。この世界の光の戦士たるお前さえ殺せば、エオルゼア中を一気に混乱に叩き落とせる。第一世界のすべての命のために死んでもらう。おいおい、お前らにリベンジしたいのはあいつだけじゃないんだぜ。今度こそ仕留めてあげようと思ったのに。
でもあっちの子はどうかな。降りて。問題ないわ。絶対に足手まといにならないって約束したじゃない。悪いわね、私出来のいい兄と違って頭より先に体が動くの。Ah, trop bien! On nous montre déjà les classes de la 5.0. Ça a l'air cool en vrai, hein. Mais Non, fais pas de méga soin! Oh merde. Hop. Ah, ça va pas durer longtemps cette histoire. Allez, suivant. Voilà. Hop. Elle vient par là. Il faut couper ton petit lien. Oula ! Ah, ça tape fort quand même. Calmez-vous, monsieur. Ah, mais ils sont tous de nouveau debout. Ah, merde. Il faut retuer la prêtresse. Merde. Ok. On va mettre un truc de protection, voilà. Ok. Ah, attends, du coup on la tue pas. Ah, laisse-moi tranquille. Ah, vite. On les bourre. Ah non. Ah mais ça marche pas. Ah, fait chier. Ah, tenez. Bon, bah on les bourre tous un par un alors. Quoi? Ah, on peut plus rien faire. たちまで裏切るのか。私なりの手法に沿うだけです。そもそも裏切りとは
信じたものを破ればこそ第一世界に住まえる者の魂をこの原初世界に送ることが本当の救いであると、あなた方は心から信じておいでですか？その声、まさかウリエンジェなのか？アモデュー。申し訳ありません。己が役目を果たすためしばし闇に紛れておりました。バカ、ちょっとだけ本気で裏切ったんじゃないかって心配したじゃない。弁解は後でたっぷり聞かせてもらうわ。今のあなたは味方、それでいいのよね？ええ、無論です。何なりとご命令。C'est quoi cette pause pour tenir un livre? Personne fait ça! Ah, c'est Jojo pause! Ah merde! あいつら大技を仕掛けてくるみたい。だったら一つ提案があるの。あなたたちの力を私に貸して。あっちの技が発動する前にみんなのエーテルを剣に集め、光の刃として一気に放つのよ。私一人じゃ刃の威力も構築するための時間も圧倒的に足りないけれど、一人ぼっちじゃないなら勝てない賭けじゃないわ。Ah ouais. Et les autres, ils vont rien faire pendant ce temps. C'est pas grave, c'est le pouvoir de l'amitié. Bon, bah, allez. Ah, trop cool! Ah, j'adore cette musique.Guettez le moment opportun et concentrez votre réserve. Attends, déjà, on va se débarrasser du mage blanc. Hein. Voilà. Maintenant, à lui.Ouais, j'arrive! Je suis un tout petit peu occupé. Ne t'en fais pas. C'est imminent. Voilà. Ah, tiens, mon éther! Ah oui! Ah, t'aimes ça? Ah, c'est toujours pas assez. Encore plus!Ah, faisons une pause, ouais. Ouais, non, mais ils reviennent tous. Ah, ils trichent. Ouais, non, maintenant l'autre il est invincible. Ok. D'ailleurs, ça fait quoi si on tue le sorcier direct ? Ah, mon dieu ! Ah, c'est bon, je peux donner les terres. Vite, on y va. Ah, ça, c'est Orient G.Voilà, on a le pouvoir de l'amitié. Tu peux rien faire. Ah, le retour. Allez, on retue le heal encore.
Ok. Ah, lui vient de taper. Vas-y, dégage. Ah ouais, ah plus vite. Ah non, c'est méchant, pas plus vite en fait. Bah, casse-toi. Ah mon dieu. Oh mais il rigole zéro lui. Pourquoi moi je peux pas faire ça? C'est pas juste. Allez, un petit dernier. Hop. Voilà. Ah tiens mon éther. Non, vite. Ah, j'ai pas le temps. Est-ce que je peux l'éjecter? Non, évidemment. Ce serait trop beau. Il faut d'abord que je me débarrasse de lui. Ah, c'est bon, il y a personne sur moi. Attends. Hop. Voilà, il est ok. Comment ça se fait qu'il n'y a plus personne d'ailleurs? Ah oui! Ah, c'est tout blanc. Ah, monsieur propre, il est content. C'est plus blanc que blanc.勝敗は決した。お前たちにこいつは殺せない。さて、そいつはどうかな。俺たちもまだ終わるわけにはいかないんでね。俺たちがどうやって境界を越え、この現象世界に来たか。考えたことはあるか。クリスタル、まさかアシエンの不死と同じ。その通り、アシエンが闇のクリスタルによって己の魂を次元の狭間に送り、死を免れるように、彼らは光のクリスタルを持って魂を越境させる。ご丁寧な解説ありがとうよ。つまり俺たちもアシエンと同じように不死になれる。この敗北は終わりじゃない。待ってくれ。その方法を使うには、元の世界で魂の器である肉体の死を迎えなければならないはず。ならば、君たちは。そうだ。俺たちは、俺たちの世界を救うため。自ら命を絶った。光の戦士なんて肩書きを背負ってたからじゃねえ。最初はただ旅の中で出会った奴に
手を貸しただけだったんだ。そんな因縁がいつの間にか広まって俺たちは英雄と呼ばれた。多くの思いに背中を押され戦い続けた。ところがどうだ、俺たちが勝ったがゆえに世界は光の反乱で無に帰ると来やがった。なんでだよ、そんな結末のために俺たちは歩んできたんじゃない。なあ、お前ならわかるだろ。わかるよ。世界をあんな風にしちまった俺たちは、俺たちだけは何があっても諦めちゃならないんだ。そうだよな、アルバート。この程度の痛み、死んだ時に比べたらなんてことはねえ。何度でも戦いましょう、遥かなる故郷の仲間に。せめてもの救いが訪れるように。Ah, c'est lui, regarde! Quelle horde de nagekini, nao, ok, no gisei, o kasaneru nado. Waga si de areba, ie, watashi jishin ga mitomenai. Ima banji no ito o yori, aratana michi o tsumugimashou. Comment ça va?あなたの光のクリスタルを掲げてください。さあ早く。Ouais, mais en fait non. Ah, bah c'est cool. Ah, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Kokoa Nagiki ga kikoeru. Itoshii kora no kanashii nagiki ga. Kono koe.まさか。ハイデリーよ、二つの世界の光のクリスタルを持ってあなたに力を返しました。あー、まあ、tu me diras si c'est réussi。 今ならばできることがあるはずです。あなたの使徒をミンフィリアを解き放ちなさい。そう、私は聞いた。悲しい決意、心裂く嘆きを。私たちは救いた。私は
今度こそみんなを救いたい。ミンフィリア、第一世界の光の加護を受けし者たちよ。私はハイデリンの使徒、いわば光の調停者です。私が第一世界に渡り強まりすぎた光を正しましょう。光の氾濫も避けることができるはずです。ザレ事を今さら信じられるか。ハイデリンなど俺たちの祈りにも応えてこなかったくせに。ごめんなさい、ゾディアークがアシエンを返さなければ干渉できないように、ハイデリンも直接光の氾濫を止めることはできないの。だけどあなたたちが弱り切ったハイデリンに力をくれて、その一部となっていた私がこうして使徒として切り離された。あなたの嘆きも祈りもハイデリンとして聞いていたわ。大丈夫、第一世界は決して滅ぼさせない。ウリエンジェさん、ここまでみんなを導いてくれてありがとうございました。あなたについての報告を聞いたとき察しました。星の一部となることは星の力を得るのと同義。戦えない己を嘆いていたあなたがついに力を手にしたのだと。私はアシエンと接触した際に第一世界の事情を知った。そして深い悲しみを抱えた彼らを、我々の未来の姿かもしれぬ彼らを救いたいと思ったのです。苦悩の末に至ったのがこの答え。より多くのクリスタルの力を一堂に集めんがため、彼らを光の戦士同士の対決に導きました。己の選択に確信はあった。しかし同時にあなたが原初世界へ戻る可能性を永久に奪うかもしれない選択だと思う。それではまさか最初から星の力を得たミンフィリアを第一世界に送り込むつもりで。私は優しいあなたを世界と引き換えにするのです。賛同を求めるべくもない身勝手な選択だ。私はあなたたちと共に歩むことで世界の強さや悲しさを聞いて感じて考えた。だからこそ今度は私自身の命を懸けて役目を果たしたい。一人で行くつもりか、サグレット。いつもそばにいてくれてありがとう。
父もずっと見守ってくれていたあなたにとても感謝しているはずよ。あなたにもらったあふれるほどの愛情を今度は私が誰かに分けに行かないと。離れていても心はそうしてつながるわ。君ならできるさ。まったくすっかり見違えたもんだ。あ、あなたたちもハイデリンの中からずっと見ていたわ。暁の灯火を、希望の火をつないでくれてありがとう。預かっていたルイゾワ様の名城トゥプシマティよ。世界の真相も闇の脅威もまだ全てが暴かれてはいない。くれぐれも気をつけて、信じた道を進んでいって。我らの光のクリスタルは力を使い果たしたようだ。どの道打つ手がないのなら信じてみるのがお前らしいのではないか。ハイデリンの使徒、お前を信じる代わりに一つ頼みがある。俺たちの魂も第一世界へ連れて行ってくれ。あそこには俺たちの冒険の全てがある。大事な故郷なんだ。甘ったれだったのはこっちも同じさ。だからこそ俺たちの過去にも等しいお前に伝えておく。重要なのは光か闇かじゃねえ、お前自身の意志だ。こんなことになっちまって言えた立場じゃないだろう。だが必ず掴み取れよ、俺たちとは違う未来を。送り出される側になるのはなんだか不思議な気持ちね。でもあなたはいつも困難な壁を乗り越え、未来を開いて帰ってきてくれた。だから私も役目を果たしてきます。いつかこの星を本当の意味で悲しみから解き放つ。その方法を見つけた時にきっとまた会いましょう。
Oh, tout ce drama! Ah, mon dieu! Alfifi! Ah, tu te rends compte? Alors, ah, nous sommes de retour dans le Tanaland méridional. Ah, Min a eu la délicatesse de nous conduire dans notre propre monde, tout comme elle l'a fait avec les guerriers des ténèbres. Alors qu'il est, les âmes de ces valeureux combattants ont dû retourner au monde éthéré. J'espère de tout cœur que l'équilibre entre la lumière et les ténèbres sera rétabli. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront renaître. En tout cas, je n'oublierai jamais le sacrifice qu'ils ont consenti pour sauver les leurs. De la même façon, Min Min a fait preuve d'un courage remarquable qui suscite toute mon admiration. Ah, et là, Sandcred, il doit être tellement en PLS. Ah, pardonnez-moi, j'avais l'esprit ailleurs. J'essayais de réfléchir à la suite des opérations. Je vais retourner à Zaraark et inspecter le camp de fond en comble. Je ne veux pas quitter les lieux avec le doute qu'il puisse rester des cristaux cachés quelque part. Ne vous inquiétez pas, après ce qui vient de se passer, je doute franchement que les Amalja soient encore d'humeur à invoquer Ifrit. Je m'en sortirai seul. Et Sandcred ! J'ai simplement besoin de me vider la tête. Je vous rejoindrai au refuge des roches aussitôt que j'aurai terminé ici. Ah, la disparition de Min Min lui a mis un sacré coup au moral. Mais nous pouvons lui faire confiance. Il accomplira sa mission sans encombre et nous reviendra en pleine forme, comme toujours. En attendant, je propose que nous retournions à Petit Alamigo. Peut-être Kida et Papa Mimo ont dû nouveau à nous apprendre. Ah, c'est possible. C'est possible que pas du tout. Mais j'ai encore du mal à croire toute cette histoire. Ce dont je suis sûr, c'est que le plan d'Orianje n'aurait jamais pu fonctionner sans votre aide. Vous nous avez sauvé la vie, et nous vous devons une fière chandelle. Ah, bah moi j'ai un chandelier dans le dos. Tu peux pas me le porter un peu? Mais dites-moi, Alizé, à partir de quel moment avez-vous commencé à me suspecter? Bah, dès le début. Il y a quelque temps, alors que je traquais les guerriers des ténèbres, je vous ai vu parler avec un Ancien dans la grande bibliothèque de Goubal. Même si cela ressemblait à un acte de trahison, je savais que ce n'était pas aussi simple. Après tout, je vous connais depuis que je suis enfant, et je sais combien vous êtes un grand solitaire, et à quel point vous êtes réfractaire à demander de l'aide aux autres. J'ignorais donc vos raisons, mais je me doutais qu'il y avait un plan plus complexe à l'œuvre qu'un simple changement d'allégeance. Et je suis heureuse de constater que mon intuition était juste. Ah, mais vous êtes doté d'un esprit de déduction remarquable. Je m'en veux énormément de vous avoir menti, mais d'un autre côté, je me devais d'exercer une extrême prudence afin de ne pas éveiller les soupçons des Anciens. J'espère que vous saurez me pardonner. Ah, mais vous n'avez pas à vous excuser. Votre manière de procéder était très risquée, et il est vrai, mais vous avez atteint votre but. Dans ce genre de situation, il faut savoir prendre des décisions difficiles pour sauver le plus grand nombre. Si je ne peux pas vous en vouloir d'avoir réussi votre pari, il reste que vous avez sacrifié Min Min pour arriver à vos fins. Et ça, c'est odieux, que ce soit clair entre nous. Rassembler tout cet éther m'a complètement épuisé. Je vais aller me reposer un moment. Ça, c'est ce qu'on appelle passer du coq à l'âne. Oh. Je vais aller me reposer un moment, et puis je passerai vous voir au quartier général des héritiers quand j'aurai récupéré. Permettez-moi de vous tenir compagnie jusqu'au refuge des roches. Non, casse-toi. Bon, on va où nous, petit alamigo? C'est ça? C'est ça. Allez, go. On n'a pas le temps. À vite. Eh ben... Ah, ça, c'était du drama. Bon, du coup, Rip Min Min, elle a définitivement déménagé dans Arms. Et elle va faire de la boxe pour sauver le monde. Ou un truc comme ça. C'est pas très clair, mais... Je crois bien que c'est ça. Elle... Ah oui, on peut y aller directement. Ouah ! Oh merde. Ah, qu'est-ce qu'il est moche. C'est bon, ils sont là. Allô?
Ah, vous avez arrivé pile au bon moment, tous les deux. Nous venons tout juste de terminer la fouille du camp. Et pour faire court, le griffon n'a pas menti. Nous n'avons pas trouvé l'ombre d'un cristal, et ce n'est pas faute d'avoir cherché pourtant. Et vous alors? J'ose espérer que vos recherches ont été plus fructueuses. Allez, balance tout! Ah bah, à vrai dire... Ah, Min Min s'est barré dans un autre monde. Non, c'est impossible! Min Min, parti! Pour toujours! Pour faire de la boxe! Ah bah, j'ai encore du mal à y croire moi-même. Elle était si calme, si déterminée. J'étais tellement abasourdi que je n'ai pas cherché à la dissuader. Elle a pris sa décision en connaissance de cause. La seule chose que nous puissions faire maintenant, c'est de lui témoigner notre estime et de prier pour qu'elle nous revienne un jour. Je ne sais pas si le moment est opportun, mais Ida et moi, nous aimerions réintégrer officiellement les héritiers. Il s'est passé beaucoup de choses pendant notre absence, et je crois qu'il est important que nous échangions nos informations tant au sujet des guerriers des ténèbres que du griffon. Ah bah oui, je suis entièrement d'accord avec Papa Limo. Et puis, j'ai trop envie de revoir les autres. Ah mais avec grand plaisir. Tataru et les autres attendent votre retour avec impatience. Ils apprécieront d'autant plus de vous voir après ce qui vient de se passer. Ah, il y a le vieux! Ida, êtes-ce vous? Parle, Algre! Vous êtes vivante! Oui. Et vous ne vous souvenez plus de moi? Bah, je ne vous en veux pas, c'était il y a tellement longtemps. Je suis Gundobald. J'ai combattu sous les ordres de votre père dans l'armée révolutionnaire. À plat de twist! Après que l'ennemi ait annexé notre province, j'ai construit ce camp ici pour accueillir tous les réfugiés miguois. Et de fil en aiguille, j'ai fini par rejoindre la résistance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons participé à plusieurs opérations ensemble. Et comme vous aviez complètement disparu de la circulation, je m'étais dit que vous étiez tombé au combat. Et pourtant, vous êtes là. À toutes ces années, vous n'avez pas pris une ride. Ah oui, Aken de Bald. Mais bien sûr. Ah, c'était le bon vieux temps, hein. Je suis désolé, mais j'aurais dû vous donner des nouvelles. Ah, je suis parti parce que j'ai rejoint les héritiers de la 7ème aube, et je devais rester discrète. Oui, mais je vais bien, comme vous voyez. J'ai tellement envie de revoir les autres que je ne tiens plus en place. On se retrouve plus tard au refuge des roches, d'accord? Ah, ça sent le plot twist encore. Ah, veuillez excuser son comportement, Gundobald. Ida n'est pas dans son assiette en ce moment. Je suis sûr qu'elle repassera vous voir prochainement et que vous aurez l'occasion de rattraper le temps perdu. Allons-nous aussi au refuge des roches? Ah ouais! Ah, du coup, ça y est, on retourne au monde aura, ça y est. Tu critiques le griffon parce qu'il se cache derrière un masque, mais tu n'es pas différente. Ah, désolé, j'avais pas vu. Qui c'est qui se sont barrés? Ah, merde. Ah, si ça se trouve, t'as écrit le message il y a longtemps. Attends pour moi. Ah, j'étais tellement à fond dans les plot twists, du coup, je sais plus. Mais n'hésite pas, si t'as pas compris, du coup, n'hésite pas à redemander. Qui c'est qui se sont barrés où? Les deux? Qui ça? Papa Limo et Ida? Ah ouais! Non, en fait, ils étaient... tu sais, c'était après le drama d'Uldal, où la sultane avait été abandonnée. Ils se sont tous dispersés pour s'enfuir, parce qu'ils avaient été accusés du meurtre de la sultane, même si elle n'est pas morte, en fait. Et du coup, bah eux, ils s'étaient réfugiés à Petit Alamigo. Et ils ont fait profil bas pendant un long moment. Et ils en ont profité pour intégrer la résistance et observer ce fameux griffon, du coup. Et là, bah, vu qu'on s'est penché sur le cas de griffon, eh ben, on vient de les retrouver. Et c'est pour ça qu'ils sont pas au courant de ce qui s'est passé ni rien. Et il faut tout leur dire.
Bah, il m'attend là, le fifi. Bah, faut rentrer dans le salon. Ah, pas de nouvelles, Kairi. Saint-Cred vient de me contacter pour m'annoncer qu'il avait récupéré tous les cristaux de Zararc. Voilà. Elle m'a dit qu'il allait faire un crochet par Ishgard pour les remettre à Sir Aymeric avant de venir au refuge des roches. Ah, voilà qui nous fait un souci en moins. Ishtola et Kululu devraient elles aussi nous rejoindre d'ici peu. Lorsque nous serons tous réunis, nous parlerons de l'avenir des héritiers. Ah, c'est moi qui vais devenir chef. Je vais passer du statut de larbin à celui de chef. Ah, j'ai hâte, j'y crois à fond. なんだか懐かしいね。こうして暁の間にみんなで集まるのなんて、ムーンブリダのことがあって以来かな。だけど、あの時とは顔ぶれが違う。残ったものも、あの日のままじゃないはずだ。遠い世界で戦ってくれているミンフィリアを含め、 ウルダ・ハリの所属が解いて行方不明になったものは、これで全員所在がつかめたことになる。かまさば、逃げ延びた雪の家で消えかけていた暁の灯火がやっとここまで戻ったんですね。ああ、そうだとも。だが暁の決命は元の形に戻るわけじゃない。 私は粒子戦争を巡る旅で多くの友に出会い、支えてもらって知ったんだ。理屈ではなく己の願いに従って進むことを。これからの暁にも各々の願いと共にあるし、もたらされる結果が同じエオルゼアの救済であっても、 Ah bah du coup, si le technicien vient aujourd'hui, c'est cool. Au moins, ça va pas durer pendant 6 mois. Soshiki toyu yori, kyoryoku kankei ni aru nakama doushi toyu wake ne. Iin janai kashira. Watashi wa hikitsuzuki, sekai no shinri o motomete, banshin ya inishie no kami o chousa suru tsumori. そちらの方面は任せてちょうだい。そのために引き続きあなたが借りたいのだけれど。そうね。私はシャーレアンから来た助っ人にすぎない。自分でもそのつもりだったんだけど。あ、あ、tu m'étonnes. Au moins, ma chiffrie, ça n'a jamais bougé. Et la connexion, le débit ne fait qu'augmenter. Donc, c'est cool. Imawa, konochide okiteiru tatakai wo saigo made mitodoketai no. Minfiria no shinyu toshite mo ne. Dakara, aratamete, akatsuki no nakama ni irete kurenai kashira. Ah bah oui. もちろんです. Aratamete kangei shimasu. Kurulu-san. Urienje. Ashien no chousa wa hikitsuzuki omae ni tayotte ii no ka? Ah bah moi, c'est l'avantage d'être dans un petit village, tu vois. J'ai le luxe de la ville avec un bon débit et tout. Et puis bah, j'ai la campagne aussi, donc tout va bien. Un débit, merde, 97 carrément, avec le modem 56K. Ah, ça va être l'angoisse. Waga ishu wa kawaranedo. Sore wa dori no toranu koto. Watashi wa kotabi no ken de minasan wo azamuki. おっと、それ以上はなしだぜ。ミンフィリアの決意に水を差すことになる。 Ah ouais.
Oh, ça va, il y a pire. その奥に潜むこの星の悲しみとやらを知らなきゃならない。お前がそのための頭、俺が手足、それでどうだ？え、tu sais, mes parents, moi, ils sont à 60 kilobits par seconde. C'est, ça veut tellement rien dire. Eux, ils sont encore, ils sont encore en PLS. Ils sont... Pour télécharger le moindre truc, il faut plusieurs heures, c'est l'angoisse absolue. Haime itashimashou. Sore wa 確かに私が果たすべき責任です。闇を排すため散ったムーンブリダに報いるためにも。それじゃあ私たちはもう少しアラミゴ解放運動の様子を見てみるよ。今回の鉄仮面とアマルジャ族の取引のこともあるし、アラミゴに赴任した新総督が危ない奴なのも本当なんだ。だから当然放っておけないでしょ。アリゼ、君はどうする？あ、ピッタ、une semaine。あ、c'est tellement pas bien。組織なんて嫌いよ、相変わらずね。でも新しい暁のあり方は悪くないわ。あなたもいるしね。ああ、できればアリゼ様もやめてよね。私はルーズワおじい様の孫としてここにいるんじゃない。自分自身でこれを選んだんだから。それについては私も頼む。私が肩書きなどなくとも仲間に足る男だと思えたらで構わない。ではでは、私はアルフィノさんや皆さんがしっかり活動できるように受付としても経理としてもバリバリ腕を振るっていきます。ありがとう、君の思いも聞かせてくれないか。他でもない。あ、c'est moi le chef。J'en ai marre d'être le larbin。Ah, alors、que voudriez-vous faire ? Affronter des ennemis toujours plus puissants ? Ah ouais, ouais. Continuer de faire de nouvelles découvertes ?À continuer d'aider les autres. Allez, ah, du coup, les découvertes, c'est les donjons, j'imagine. Ah, ouais, donc les découvertes. Ah, plus de donjons. Voilà, moi, je veux pas faire les boss. Je m'en fous des boss. Donnez-moi des donjons. Champagne. D'accord.真の暁であらんことを願いましょう。Bah bien sûr qu'il y a des boss dans les donjons. Mais toi, si tu dis les boss, ah, du coup, ils pourraient comprendre faire des raids en mode extrême où faut à tout prix avoir la bonne stat en force et en vitalité. Et ça, moi, j'en ai strictement rien à cirer.Moi je préfère faire les donjons où tout repose sur la strat et tu vas avec ton stuff et ça passe. Si t'as compris la strat. Alors, regardez autour de vous, Kairi. Ce que vous voyez, c'est le nouveau visage des héritiers de la 7ème aube.
les dirigeants des trois cités, le peuple d'Ishgard, Izael, Estinien, Vidofnir, les guerriers des ténèbres. Ah, c'est grâce à toutes ces personnes, ces rencontres, que nous en sommes là aujourd'hui. Je ne sais pas où notre chemin nous conduira, mais je me sens comme poussé par le destin. Ah, c'est beau. Min-Min a dit que nous devons suivre la voie que nous croyons juste, et nous savons que le chemin sera long et que de nombreux obstacles se dresseront sur notre route. Mais rien ne pourra ébranler la force de notre conviction. Ah si, le prix de l'abonnement. Ah, le prix de l'abonnement, ça peut ébranler n'importe quoi.頼みがあるんだ。ミンフィリアに託されたっていう名状トゥプシマティ。それを僕に預けてくれないか。じっちゃんの弟子として悪いようにはしないさ。ただ嵐の予感に備えておきたくてね。 嵐は来る。 C'est fini. Ah, du coup, ça y est, Min-Min, elle s'est barrée dans le premier monde pour aller essayer d'empêcher l'apocalypse de la lumière. Et puis, bah, peut-être qu'on la reverra un jour, ah, peut-être pas. Mais à ce qui paraît, la légende raconte qu'elle va faire carrière dans la boxe. Du côté de chez Nintendo. Ah, tu as fait du bon travail. À présent, tu peux retirer ton costume et rejoindre les autres soldats en première ligne. Une grande bataille nous attend et je veux être là pour m'assurer que tout se passe comme prévu. Ah ouais. Ah, du coup, Sandcred, il est en PLS. Ah, vous vous êtes fait berner? Bah, ça n'affecte en rien mes projets. Et puis, de mon point de vue, ce sont plutôt les guerriers des ténèbres qui se sont fait berner. D'ailleurs, qu'en est-il de vos plans? Les guerriers des ténèbres étaient l'un de vos pions. Le fait qu'Aidelin récupère une partie de sa force m'a pris au dépourvu, il est vrai. Cependant, le résultat est très bénéfique pour nous. Un monde dont l'éther a été anéanti par une surabondance de lumière n'a aucune valeur pour Sodéark. Nous allons voir comment cette messagère va s'en sortir dans le premier monde parallèle. En attendant, j'ai un cadeau pour vous. Des balles de bowling. Ouais, les yeux qu'ils ont pas détruits. Wouh. Et allez, c'est reparti. Ce sont les yeux de Nidhogg. J'ai longuement hésité avant de décider à qui les remettre, et je crois que vous êtes tout désigné pour ce rôle. Ah ouais, ah, c'est la dernière ligne droite, tout à fait. Y a pas d'embrouille.
cet après-midi, on a fini. Ah, votre haine et votre désir de vengeance surclassent tout ce que j'ai pu voir chez les hommes bêtes jusqu'à présent. Utilisez-les comme bon vous semble. Des couilles de ma poutre. Non, c'est des yeux de dragon. C'était ceux de Donny Dog. On avait enfin réussi à tuer Nidog, à les récupérer, à les séparer, et au lieu de les détruire, ils ont décidé de les balancer du haut d'un pont, ensemble. Tu sais pas. Jean-Michel Connery, fallait pouvoir les ressortir n'importe quand, donc ils ont fait ça. Ah, c'était donc là que tu te cachais. Ah ouais, lui, on l'a toujours pas revu. C'est vrai que, du coup, dans les raids à 24, rappelez-vous, c'est Nero, un gars de l'Empire, qui était en armure rouge dans la 2.0. Normalement, il est censé nous rejoindre en tant qu'allié pour les donjons à 24. Et puis, finalement, il fait un peu des trucs bizarres et il finit par faire sa vie dans son coin. Et puis là, il revient. Ah, je sens que ce joujou va me procurer énormément de plaisir. Ah bah Kairi, vous tombez à pic? Figurez-vous que j'ai un service à vous demander. Dites, vous voulez bien vous rendre à la Forge de Diamants, l'atelier d'artisanat qui se trouve à l'intérieur de la maison des splendeurs de Rowena? Ah, vous en saurez plus une fois sur place, promis juré. Je compte sur vous, faites vite. Ouais, il a été banni de l'Empire. Du coup, a priori, il en a plus rien à foutre des Orzea. Et il veut juste faire sa vie d'ingénieur. Mais en même temps, il a l'air un peu complètement ch'tarbé, donc complètement fou. Donc on sait pas trop. Ouais, on sait jamais trop ce qu'il fait. Alors, il fait sa vie dans son coin. Ah, du coup, pour l'instant, c'est pas une menace. Mais j'imagine que... ça va changer à un moment ou à un autre. Va falloir qu'on s'en occupe. Ah, attends, du coup, faut aller là. Bonjour. Ah, faut pas aller là. C'est toujours bien de se promener avec un aéronef dans les bâtiments. C'est toujours la bonne idée. Alors, attends. Non, c'est pas là non plus. C'est là. Bonjour. Ah, y'a personne. Merde, c'est où? Ah, salut Wolf! Attends, j'ai doublé. On va descendre de là parce que c'était une belle connerie. Ouah, c'est quoi cette monture? Attends, je veux voir la monture. Oh, elle a dû l'enlever là. Ouais, elle a enlevé sa monture. Merde. Attends, c'est pas là? Non? Ah, c'est là! Ah, d'accord. Comment ça va? Ah, bah sûrement, oui. Ah, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, Kairi. Ne vous en faites pas. Ce que j'ai à vous demander n'a rien de compliqué. Il vous suffit de ne plus bouger et d'admirer le spectacle. Ah, ça y est, je vais enfin avoir une tenue pétée faite par Tataru. Ah bah non. Si, on sait pas. Maître artisan de la Forge de Diamants, êtes-vous prêt? J'ai l'impression que vous êtes nerveuse. Allons, pas d'inquiétude, nous ne vous ferons aucun mal. Ah, ce petit regard. Ah merde. Ouais, pété, ouais, je sais bien, mais... on pouvait y croire.
Et voilà le travail. Ah, désormais, je dispose de toutes vos mesures au centième dilme près. Ouais. Qu'est-ce que je compte en faire? Ah ça, c'est mon secret. Mais vous le saurez bien assez tôt. Ah là, c'est le héros de la lumière, tu vois, mais il est pas très fut-fut. Hein. Tataru, elle passe son temps à rhabiller tout le monde chez les héritiers. Et... et elle a toujours pas percuté. Ah, c'est grave quand même. Ah, c'est au tour d'Ida. Allez, Ida. Ah, Kairi, ah, te voilà enfin. Alfifi te cherche partout et m'a demandé de l'aider à te retrouver. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a urgence. Nous devons immédiatement retourner au salon de l'aube du refuge des roches. Oh là là! Ah, merci pour le follow, Psychobiche! Et bienvenue parmi nous. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Mais ne faites pas attendre Alfifi, Kairi. De toute façon, je n'ai plus besoin de vous. Allez, va, Larbin! Oh merde. Assez pause. Ah, t'imagines, tu vas chez le boulanger, tu lui dis... Ah, une foule, s'il vous plaît, il fait... Ouais! ありがとう、イダ。どうやらこれで砂の家に戻ったウリエンジェ以外は。ファイオイチルミネア。で、話って何？みんな暇ってわけじゃないと思うのだけど。確かに。闇の戦士が去ったとはいえ、エオルゼアの問題はまだ多く、ここに集まった者も複数の案件を抱えている状況だ。 先の通り、それぞれの意思に従って活動を進めるとしても、連携を欠かないよう決めておくべきだと思ったんだ。ミンフィリアの後継者、暁の次の名手をね。Ah, enfin, mon heure de gloire est arrivée. Ah oui. なるほどね。だったら、もう答えが出ているんじゃない？賢人のみんなにはその気はなさそうだし。あ、しもう。話し合いの様子からあなたがやるものだと思ってたわ。政治も得意だし、問題ないでしょ。待ってくれ。私にそんな気は。 Bon, ah du coup, il faut que je me débrouille pour ramener les héros de la lumière du 13e monde et envoyer Alfino réparer les ténèbres du... de cette dimension pour prendre sa place. Crystal Brave no ikken de watashi wa jishin no fugainasa o iya to iu hodo shitta no da. Kore made douyou ippei sotsu toshite hatarakasete moraitai. Sono tsumori ga aru mono ga inai no nara 無理に名手を決めなくてもいいんじゃなくて。そうだな。実績から言えばどこかの冒険者が適任なんだろうが、これ以上の責任を押し付けるのも酷ってものだ。Non mais y a pas de souci, comme ça je vous envoie faire les larbins aux quatre coins du monde et moi je me tourne les pouces. Ah c'est génial. Si si. 名手ともなれば、いろいろと縛られるからね。それぞれの意思はお互い把握してるんだ。 Merci pour le follow, Red Fox. Tataru、一体何が？ 突然、大怪我を負ったこの方が転がり込んできたのです。なあ、なんで君がこんなところに。やしたら早く助けてあげて。彼女は私の仲間なの。分かってる。クルル手伝って。治癒魔法で傷を塞ぐわ。
安心して。出血は止められたわ。それにしても、全く無茶をしてくれたものね。こんな状態で走ってくるなんて。ありがとうございます。しかし、急ぎ伝えなければならない情報があったのです。そのためには、帝国軍の監視が厳しいルートを使わざるを得なかった。案の定、見つかってこのざまですが。いいんだって、あたしたち仲間じゃん。それよりも、ナーゴが伝えたかったことって？イダ、ありがとう。暁の皆さん、改めて自己紹介をさせてもらいます。私の名は、メナーゴ。アラミゴ解放軍の一員です。鉄仮面率いる部隊が、新しい作戦を実行に移すという情報が舞い込んできまして。どうしても、パパリモさんやイダに伝えたくてやってきたのです。鉄仮面、最近になって頭角を現してきたという反帝国運動の急先鋒か。はい、彼らはバエサルの頂上をアラミゴ側から攻めて占拠するつもりのようです。ガイウス・ヴァン・バエサルがグリダニアとアラミゴの国境線上に建てたあの巨大城壁を、一体なぜそんな無茶を。おそらく彼らの狙いは国境線の垣根を取り払うことで戦火をエオルゼア諸国へと飛び火させることでしょう。アラミゴに駐留する帝国軍とエオルゼア同盟軍を無理やりにでも戦わせようというのか。解放運動に利用するために。それにしても無謀だ。一時的に占拠できたとしても確保し続けられるわけがない。すぐに援軍が来て奪い返されるのがオチだぞ。迷惑な話だけれど、確かに無視はできないわね。この情報すぐにでも各国に伝えた方がいいんじゃない？そうね。私はリムサロミンサに向かうわ。サンクレット、あなたはウルダハをお願い。アルフィノとアリゼはすぐさまグリダニアへ。頂上に面するカノト市に各国の代表者を集めて対応策を協議するための段取りをつけてもらえて。それからあなたはイシュガルドへ。アイメリク議長に事情を伝えて特使をグリダニアに派遣するように説得してちょうだい。タタルとクルルはこの子の看病をお願い。傷が開かないようにくれぐれも無茶をさせないで。それじゃ取り掛かりましょう。ギラバニアからもたらされた不穏な知らせ、それは終わりの始まりを告げる呪しだったのかもしれない。戦いが始まれば誰かが犠牲という名の対価を支払うことになる。その現実から目を背けちゃいけないってことをルイゾワのじっちゃんは教えてくれた。だから僕は選ぶ、僕自身の選択を。そして選ばせなくてはならない彼女自身の選択を。De quoi ? De quoi ça parle dans le chat ? Ah merde. Allez, ah les rambés ! Ah ouais ! Ah j'ai cru.
Ok, non, tout va bien. J'ai cru que ça parlait d'autre chose. Allez, passif-agressif. C'est Ouais. Bref. Qu'est-ce qu'on fait ? Ishgard ? Non, ça c'est idyllé. Alors, Ishgard. Ishgard ? C'est où ? C'est là-bas. Et du coup, peut-être que Mnago va intégrer les héritiers après, on sait pas. Parce qu'il faut une nouvelle waifu là pour remplacer Min Min. On sait pas. Alors, chevalier oublié. Y'a rien de mieux. Si on peut retirer l'agressif. Non, parce que c'est violent les agressifs quand même. Et si c'est passif, c'est qu'en général ça fait tout dans le dos. Et ça, c'est la pire situation possible. Madame Mikablo, à quelle bonne surprise! C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Et comment puis-je vous être utile? Ah bah ça alors! Je n'aurais jamais cru qu'Alamigo était dans une telle effervescence! Veuillez patienter un instant, je vais immédiatement prévenir Sir Aymeric de votre arrivée. Alors, il a son armure. Donc l'autre jour, c'était juste parce qu'il était en jogging chez lui, en fait. C'est pour ça qu'il avait pas la classe. Ah bah ouais. Ah, cela me fait très plaisir de vous revoir, Kairi. Lukia m'a déjà mis au courant de la situation. Et j'ai bien peur que nous n'ayons pas le temps de fêter nos retrouvailles. Pour faire court, sachez que ce serait un honneur pour moi de représenter Ishgard à la réunion d'urgence qui aura lieu à Gretania. Et toutefois, comme vous le savez déjà, je n'agis plus au nom d'un archevêché tout-puissant. En théorie, ma fonction de président de la Chambre des Nobles m'oblige à consulter mes pairs afin d'élire un représentant pour notre cité. Étant donné les circonstances, nous n'avons évidemment pas le temps d'organiser ce genre d'événement, mais j'aimerais néanmoins m'entretenir avec le président de la Chambre du Peuple avant de passer à l'action. Pensez-vous pouvoir patienter jusque-là? Bah oui! Va parler à... comment elle s'appelle? Hilda! Ah, dans ce cas, c'est parfait! Quelle que soit la personne qui assistera à la réunion, elle aura besoin d'une garde rapprochée. Lukia, c'est toi qui vas t'en charger. Quant aux autres soldats qui resteront ici, tu confieras leur commandement à Andalou. À vos ordres! Ah, je vais immédiatement me rendre auprès de mon confrère, Kairi. Je compte sur vous pour faire vos préparatifs au plus vite. Ensuite, accompagnez Lukia aux portes du Jupon. À très bientôt. Ah mais je suis toujours prêt, regarde. J'ai mon lampadaire dans le dos, tout va bien. Comme ça, on manque jamais de lumière. Alors... Un Sir Aymeric nous a demandé de nous rendre aux portes du jugement pour y attendre le représentant d'Ishgard, pardon, à la réunion d'urgence. Allons-y immédiatement. Ah, du coup, c'est pas Lukia, le représentant? Qu'est-ce qui se passe? À qui c'est? On peut pas aller directement là-bas? Non? C'est bizarre quand même. J'ai jamais compris pourquoi à Ishgard on pouvait pas directement se téléporter aux différentes sorties des villes, comme dans les autres cités. Là du coup t'es obligé d'aller à l'éthérite la plus proche et tu peux jamais y aller directement. C'est quand même con. Bah oui. Surtout que s'ils ont rajouté des points de TP à Hulda, ils auraient pu faire la même chose à Ishgard. Enfin bon. J'imagine que... ouais. Bah, je sais pas. Bah à la fin de l'extension, du coup, ils ont réouvert les aéronefs. Donc ils auraient pu
Ils auraient pu rajouter des points de TP en même temps. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Ah, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Après délibération avec le président de la Chambre du Peuple, nous avons décidé d'un commun accord que je représenterai notre cité à la réunion d'urgence de l'Alliance Erzéenne. Nous estimons tous les deux que cette affaire devait être placée sous la responsabilité d'un spécialiste des affaires militaires et de l'appareil de défense nationale. Mon grade de capitaine général des Templiers me prépose donc assez logiquement à cette charge. Il est possible que cela n'apparaisse pas clairement aux yeux de tout le monde, mais je pense que cette résolution commune est la plus belle preuve qu'Ishgard est définitivement devenue une république. Eh bien, il est temps de nous mettre en route, mais avant tout, de nous rendre à Gridania. Avant de nous rendre à Gridania, me permettez-vous de faire une halte au camp de la tête du dragon? J'ai quelques directives à transmettre aux soldats postés là-bas pour la défense de nos frontières en cas d'urgence. Tu vois, maintenant, Ishgard, c'est open bar. Hein. Tout le monde peut y aller. Les dragons, c'est plus une menace. Donc, ils ok, normalement. Ils auraient pu mettre des éthérites pour se téléporter en dehors de la ville. Enfin, non, il y a même pas d'éthérites en dehors des villes, Aulda et compagnie. Tu peux t'y téléporter, mais ça marche que de l'intérieur vers l'extérieur, pas l'inverse. Akairi, je m'en vais dire un mot au commandant du camp et j'aimerais que vous m'accompagniez. Merci pour le follow, Loya Gaming, et bienvenue. Ouais, il n'y a pas d'éthérite, hein. Mais tu peux quand même t'y téléporter à Ulda et tout. Gridania et compagnie. Mais pas Ishgard. J'aimerais que... Ouais, deux jeunes personnes que vous connaissez bien seront ravis de vous revoir. Ah mon dieu. Ah, va y avoir Emmanelin et Artoirel, c'est ça. Ah, ça va être l'angoisse. Ah bah non, il y a juste Emmanelin. Akairi ? Ah ça alors, pour une surprise ? Ah, Sir Aimeric, vous êtes là aussi ? Et qu'est-ce qui vous amène au camp de la tête du dragon ? Ah mais mettez-vous à l'aise, je vais tout de suite vous préparer une boisson bien chaude pour vous revigorer. Ah merci de votre gentillesse, mais nous n'avons malheureusement pas le temps de nous attarder. Lukia, veux-tu bien leur expliquer la situation s'il te plaît? A tout de suite, capitaine général. Ah voilà, c'est le merdier. Ah bah dis donc, ah je comprends mieux maintenant. Ah, nous devons absolument augmenter les effectifs de nos patrouilles afin de renforcer la surveillance des environs. Nous devrions demander de l'aide à Sir Francel des Cadenas ou aux soldats de l'Observatoire. Ah, excellente idée, Honorois. Je compte sur vous deux pour vous en charger, car en ce qui nous concerne, Gridania nous attend. Merci pour votre dévouement. Akairi. Je suppose que ça vous étonne de me voir au poste de commandant de la tête du dragon, pas vrai? Non, j'en ai rien à foutre. Ah, je vous comprends très bien. J'en ai été le premier surpris, vous savez, car je sais bien que je suis loin de mériter ce fauteuil. Je n'ai clairement pas l'expérience de mon prédécesseur. Cependant, je veux que vous sachiez que je ferai tous les efforts du monde pour en être digne à ma manière. Honorwa est là pour me soutenir, ainsi que tous ceux qui protègent ce camp. Vous pouvez vous rendre à Gridania l'esprit tranquille. Attends que j'ai pas à te parler, c'est ok. En fait, tous les lotières, ils s'occupent du camp de la tête des dragons, c'est ça. C'est ça la tradition, en fait. C'est pour ça qu'il a fini là.
C'est bon? Ah, on peut aller directement à Gridan, il n'y a plus d'intermédiaire. Ah, attends. Hop! Ah, nous voilà enfin à Gridania. J'y suis venu de nombreuses fois par le passé en tant qu'agent diplomatique, mais la splendeur de la forêt de sombres linceuls ne cessera jamais de m'émerveiller. Hélas, ce n'est pas cette fois non plus que j'aurai l'occasion de me prélasser à l'ombre de ces magnifiques feuillages. Qui sait, peut-être que dans des circonstances différentes, me le permettront un jour. Ah, génial! Maintenant que nous sommes là, il nous faut aller à l'endroit où se tiendra la réunion. Selon le garde des deux vipères, à qui est venu nous accueillir, elle aura lieu à la chaire du lotus. Ah, merci pour le follow, Louis Kraza, et bienvenue parmi nous. Ah, je vois, il ne nous reste donc plus qu'à demander à la druidesse, à qui garde l'entrée, de nous y introduire. Allons-y de ce pas. Allô? On peut y aller? Ah, ça y est, il bouge. Salut Bams! Bienvenue! Comment ça va? Alors, les élémentalistes, ils sont là. Deux? Quoi, deux? Quatre? 59? 78? 78, ça me plaît bien. Mais 42 surtout! Ne jamais oublier le 42. C'est super important. Bah écoute, ça va super bien, comme d'habitude. En tout cas, bonjour Fabianus. Ah, vous accompagnez le représentant d'Ishgard à la réunion d'urgence, c'est bien ça? Les délégués des autres nations, ainsi que certains héritiers de la 7ème aube, sont déjà sur place. Ah, et voici l'envoyé de Limsa Luminsa. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. Ouais, bah en fait, le matin et l'après-midi, on fait du FF14 et le soir, on fait du Crash. Ah bah bien sûr, on double tout, avec une qualité exceptionnelle. Ou pas du tout, ça dépend des jours, ça dépend de la tronche du PNJ et de son importance. Mais on rigole, on s'amuse bien. On dirait que nous sommes les dernières arrivées. Sir Aymeric, c'est un honneur de participer à cette importante assemblée en votre compagnie. Ah mais tout le plaisir est pour moi, amiral. Ah bah oui. Ah j'essaye de faire en sorte que ce soit sympa. Tu m'as l'air en pleine forme, Kairi. Regarde avec qui je suis venu aujourd'hui. Ah, Yogiri! Elle existe encore, du coup. Ah, merci pour le follow. Je suis contente de vous revoir, Dame Mikablo. Mais si Riol m'a appris que les héritiers de la 7ème aube étaient enfin au complet. Ah, c'est une excellente nouvelle. Ah, t'as vu? J'aimerais beaucoup continuer à tailler le bout de gras avec vous, mais le temps presse et nous avons un problème urgent à régler. Allons vite rejoindre les autres à la chaire du lotus. ようこそおいでくださいました。皆様。すでに暁の方々よりお聞き及びと思いますが。あ、バウィ。ギラバニアにて不穏な動きがあるとのこと。surtout mon perso, il fait 1m-10. Du coup, en général, quand il parle à des grands, il est comme ça. C'est toujours un grand moment. はい。アラミゴ解放軍の一員がもたらした情報ゆえ、角度は高いとみて間違いないでしょう。鉄仮面とやらが頂上を占拠し得たとして、いつまでも維持することなどできまい。頂上を奪還した帝国軍の部隊が余勢を買って国営の森になだれ込めばどうなるか。5年前のカルテノの戦いでは、サントシの軍勢が総力を結集してなお、第7軍団の残余と
互角の戦いを演じたにすぎません。グリダニア一国の戦力ではとてもではありませんが、対抗できないでしょう。カルテノーの折、我らイシュガルドは援軍の派遣要請を断り、門戸を閉ざし続けた。その件について改めてこの場で謝罪の意を示したい。だからこそ、こたびの危機に対してはグリダニアの許可さえもらえるのであれば、防衛戦力を国営の森に派遣したいと考えますが。Bah là, du coup, on est sur le point de finir la première extension. Donc, on va bientôt attaquer Stormblood. Sûrement demain, j'imagine. Peut-être cet après-midi. Même si je pense que ça va être un peu chaud de finir assez rapidement. Mais demain, on attaque Stormblood. Et puis, de toute façon, c'est un MMO. Donc, la fin, ce sera quand ils décideront d'arrêter les serveurs, qu'il n'y aura plus assez d'abonnés. Et ils trouveront un prétexte pour tout terminer, tu vois. T'auras une explosion du pouvoir de l'amitié, et puis voilà, les méchants seront anéantis, et ce sera beau. Varela Doma no Tami ni tottemo, Garemaru Teikoku wa kyuteki. Wazuka dewa aru ga, tedare o haken surukoto wa deki yo.お二方に感謝を。ぜひそうしていただけると助かります。それではエオルゼア同盟軍として有事に備えた防衛策を整えるとしよう。よろしいな。では行動開始だ。勝敗は速さと速さが分かつ。ことは一刻を争うのだからな。今すぐアラミゴを帝国軍の手から奪還できない以上、これが現実的な判断ってやつなんじゃない？で、アルフィノは何が不満なの？ああ、確かに実際に選びうる最良の選択だとは思っているさ。しかし、鉄仮面の思惑通りにことが進みすぎているように思えて釈然としない。Oh mon dieu, it's a trap. Ah, va encore y avoir du plot twist, ça s'arrête jamais. Alors, on peut dire que cette réunion d'urgence aurait été simple et efficace. Comme disait ma sœur, nous allons devoir faire avec les moyens du bord, mais je suis convaincu que le plan d'action de l'Alliance Eorzéenne sera rapidement mis au point. Ah ouais. Non mais c'est vrai, ça s'arrête jamais. T'as toujours des complots et des plot twists dans tous les sens. Ça devient ridicule à des moments, mais c'est cool de manière générale. Ah, vous êtes encore là. J'avais peur que vous ne soyez déjà rentré. Sira Imeric, ravi de vous retrouver, mon cher Alfifi. Et ravi de voir à nouveau en pleine forme, Dame Alizée. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je tenais à vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Ah, salut MacLeo, comment ça va? Je suppose que vous méritez également ma gratitude, Domien. Oh, ce ninja mal caché. Eh bien, vous avez l'œil. Veuillez m'excuser, mais la dissimulation est l'essence même du ninjutsu. Il est difficile d'aller contre sa nature.
Voilà des paroles dignes d'un ninja. À quoi qu'il en soit, vous n'avez pas hésité à nous soutenir lorsque nous avons demandé des renforts aux guerriers daniens pour protéger nos terres. Soyez-en remerciés. Je ne nierai pas qu'Ishgard a longtemps ignoré les appels à l'aide de l'Alliance Eorzéenne. Pour cette raison, je considère que nous avons une grande dette envers tous ses membres. Cela dit, les dirigeants des autres nations ont eu l'air très surpris d'entendre des excuses officielles de ma part. Il est vrai que jusqu'à présent, mon pays ne les avait habitués qu'à de la froideur et de l'indifférence. Et grâce à votre judicieuse intervention, Dame Kanisena a immédiatement accepté mon offre de renfort. Encore une fois, je tiens à vous réitérer mes plus sincères remerciements. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Karl Meldes sont les pires ennemis de Doma. J'apprécie grandement votre amabilité, mais je n'ai fait qu'agir pour mon peuple, et vous n'avez pas à m'en remercier. Accordez-moi l'honneur de me battre à vos côtés contre l'Empire, et nous serons quittes. Ah mais cela va de soi, et vous pouvez être sûr que cet honneur sera partagé. Chers héritiers, transmettez mes salutations à vos camarades. Nous reverrons très bientôt. Ah là là, à ces hommes d'État, mais pourquoi emploient-ils un langage aussi compliqué? Ils ne peuvent pas simplement dire « désolé » ou « merci » comme tout le monde? Mais c'est justement ce qui les rend si particuliers, non? Non! À mon avis, c'est beaucoup de parlotte pour pas grand-chose. Bon, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, retournons au refuge des roches. Dame Yugiri, vous allez aux glaces des revenants, je me trompe? Si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Ah, je vous rejoindrai plus tard. Je vais d'abord aller voir Ida et Papa Limo au refuge pour prendre la température auprès des sylphes et voir ce qui se trame du côté de la muraille. A bientôt, Kairi. Ah, salut Roskelem! Comment ça va? Alors, on va où? Au Mondora. Ah, tous au Mondora. Est-ce qu'ils vendent des sacs à dos, Mondora? On sait pas. Faudrait voir. Ah bah écoute, ça va super bien. Comme d'habitude. On arrive à la fin de d'Evensward. Enfin. Enfin. Ça fait même pas 3 semaines qu'on a commencé le marathon. Hein. On a déjà tout torché. Et tout va bien. Tout va bien. Ah, Kairi. Vous voulez que je vous dise? Cette réunion remplie de grands ponts eorzéens m'a ennuyé au plus haut point. Ah, quelle bande de prétentieux! Enfin, je suppose que vous avez l'habitude. Bah ouais, c'est toujours pareil. Mais ce qui me surprend le plus, c'est de voir Alfifi parcourir monts et vallées pour s'assurer que tout le monde va bien. Alors ça, si on m'avait dit que ça arriverait un jour... Ah, alors qu'est-ce qu'on a comme plat? Alors, lait de poule céleste. Une boisson sucrée particulièrement agréable, en bouche, à base de lait. Elle est très appréciée du Saint-Siège. D'accord? Des œufs brouillés. Un plat d'œufs à la consistance crémeuse et lisse, accompagné de champignons sautés. Oh bof, hein? Un spaghetti à la carbonara. Ah ouais. Ah, ces pâtes à la charbonnière sont accompagnées d'une sauce riche et onctueuse, à base d'œufs et de fromage. Ah moi je prends ça! Ah ouais. Ah c'est tellement bon les pâtes à la carbonara. Putain, j'ai tellement faim! Je suis en train de m'auto-minder. Bon, c'est pas tout ça, mais nous ne risquons pas de faire avancer les choses en restant plantés ici. Allons attendre Alfifi et les autres au refuge des roches. À vite! Ah bah oui, non mais... Non mais je joue RP, moi je prends des plats parce que je les aime bien, pas par rapport aux stats. Ah bah ouais, mais alors ce matin on a eu une équipe en carton. Entre le heal qui pensait pas à sélectionner les gens qui voulaient soigner et qui du coup arrêtait pas de s'auto-soigner tout seul en laissant crever les autres. Et le tank, bah, qui tankait...
Il prenait les mobs par pack, mais il en tankait que 2 ou 3 après. Du coup, bah, ils partaient tous en roue libre, les mobs. C'était extraordinaire. Ah, c'était... c'était 2 Français. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il y avait un DPS anglais qui faisait son taf. Mais par contre, les autres... Bon, moi, j'ai essayé d'appuyer sur des boutons, mais je connais toujours pas bien le mage rouge, donc il y a encore des ratés. Je comprends pas encore tout, mais sinon, ça va. Ah, contente de vous revoir, mes amis. On dirait que la réunion d'urgence à Gridania s'est bien passée. Mais dites-moi, où sont Alfifi, Ida et Papa Limo? Ah bah, ils sont là! Coucou! Ah, nous voilà! Excusez-nous de vous avoir fait attendre. Ah, salut tout le monde! Au fait, Akululu, comment va Mnago? Comment ça se prononce d'ailleurs, Mnago? J'en sais rien. Bah, beaucoup mieux! Elle est en train de dormir dans sa chambre. Pas la peine de vous inquiéter, Tataru ne la quitte pas d'une semelle. Je lui ai rendu visite pas plus tard que tout à l'heure, et je peux vous assurer que sa plaie s'est déjà cicatrisée. Encore un peu de repos, et elle sera entièrement rétablie. Ouf! Voilà au moins une bonne nouvelle. Eh bien, racontez-nous, comment s'est déroulée cette réunion improvisée? Ah bah, les différentes cités-états avec Ishgard en première ligne ont résolu d'envoyer des troupes en renfort à la forêt de Sombre Linceul. L'Alliance Eorzéenne est décidée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour parer à n'importe quelle éventualité. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'unirait pas leurs forces avec le Griffon pour frapper les Garmeldais de plein fouet? S'ils se font attaquer à la fois du côté d'Alamigo et de Gridania, ils ne seront plus aux données de la tête. Ah bah, Ida, ça te dérangerait de réfléchir un peu avant de parler? Ah, tu ne crois tout de même pas que nous allons déclarer la guerre au tout-puissant Empire d'une manière aussi frontale? Papa Limo ne mâche pas ses mots, mais il a raison. Il serait imprudent de faire monter la tension sans un plan minutieusement préparé. Si seulement nous pouvions dissuader le Griffon d'agir trop imprudemment. Ah bah, j'ai peut-être une idée. Les soldats de l'armée de libération miguoise ont creusé des galeries souterraines qui longent les sous-sols de la muraille de Baelsar afin d'aider les déserteurs potentiels à s'échapper. Ah, si je comprends bien, tu veux aider quelques-uns d'entre eux à parvenir jusqu'à Alamigo pour qu'en les voyant, le Griffon se rende compte qu'il existe des alternatives à ses plans belliqueux, c'est bien ça? Ah bah ouais, mais... ça on le sait tous très bien. Ah exactement. Cela nous donnera un argument de poids pour négocier avec lui. Si personne n'y voit d'objection, je compte me charger de tout ceci personnellement. Ah mais attends un peu, tu n'as quand même pas l'intention d'y aller sans moi, j'espère. Je m'entends nettement mieux avec les Miguas que toi, je te signale. Si votre décision est prise, laissez-moi vous accompagner. Les compétences de ninja nous seront très utiles pour nous infiltrer discrètement en territoire ennemi. Ah bah dans ce cas, je viens aussi. Ça fait bien longtemps que je ne me suis pas battu à vos côtés, Yugiri. Eh bien, bonne chance à vous. Kululu et moi, nous allons retourner vaquer à nos occupations. Et toi, Alfifi, qu'est-ce que tu comptes faire à partir de maintenant? Ah bah, j'ai l'intention de retourner dans la forêt afin de voir comment les choses évoluent dans la région. J'aimerais beaucoup que vous m'y rejoigniez, Kairi. Votre aide me sera précieuse comme toujours. Quant à toi, Alizé, je sais bien que ça ne sera vraiment pas à ton goût, mais la meilleure chose que tu puisses faire est de rester ici pour servir de lien entre nous tous. Non mais sinon je peux le faire, hein. Va avec Alfifi, Alizé. Alors bon, me voilà réduite au rôle de concierge maintenant. Ah mais ça me changera les idées. Et puis, il faut bien que quelqu'un se charge des tâches ingrates. Lolita... Ah non! Arrêtez ça! Ah putain, j'essaye de pas y penser à chaque fois que je la vois, et toi tu remues le couteau dans la plaie. Ah c'est... Ah merci Wolf, merci! Faites bien attention à vous surtout. Ah bah allez! Vous êtes prête, Kairi?
Notre première destination se trouve à la hutte des Austrown, dans la forêt de l'Est. Il y a un avant-poste de l'ordre des deux vipères non loin de là. Arrêtez ou je bannis tout le chat. Pense à un poisson rouge au pire. Ah merde. Ah bah oui. Une fois que nous nous serons renseignés sur la stratégie que l'Alliance Eorzéenne compte adopter, nous irons trouver un endroit d'où l'on peut facilement observer la muraille de Baelsar. En route! Chiche. Du coup, on fait quoi? Forêt de l'Est? Hop. Voilà. Mais je comprends pas pourquoi ils se téléportent pas directement. Parce que là, à chaque fois, ils font semblant de marcher, ils disparaissent au milieu de nulle part, alors que, s'ils se téléportaient, ce serait plus RP, et ça expliquerait pourquoi ils arrivent avant moi alors que je me téléporte. C'est bizarre, quand même. Ah, je viens juste d'arriver, et j'ai profité de votre absence pour discuter avec les officiers des deux vipères. Et quelle absence ! Ils m'ont dit que les représentants de l'Alliance Eorzéenne prévoient de se réunir à la tour d'Amaricet. Du haut de cette tour, nous pourrons facilement observer les allées et venues des Impériaux ainsi que la muraille de Baelsar. Je crois que nous avons trouvé notre prochaine destination. Ah, vous êtes là! Nous voulions vous prévenir que nous sommes sur le point de nous mettre en route. Parfait! Vous êtes tous des combattants hors pair, et je ne me fais guère de soucis pour vous, mais gardez bien à l'esprit que Gir Abania est truffé de soldats impériaux qui peuvent vous tomber dessus à tout moment. Soyez très prudents. Un poisson nommé Lolita. Oh, c'est ça. Mais t'en fais pas! C'est comme si c'était déjà fait. Nous allons attraper le griffon par la peau du dos. Ah! Moi, je connais une autre expression. Et le convaincre de faire ce qu'on lui dit, qu'il le veuille ou non. La peau du dos, ouais, exactement. Et voilà que tu recommences. Non mais franchement, tu crois vraiment que nous arriverons à nos fins par la force? Je me demande vraiment si tu finiras un jour par utiliser ta tête. Nous devrons convaincre le griffon en négociant, rien d'autre. Mais je sais, mais je te laisserai cette partie du travail. Quand il s'agit de parler, il n'y a pas plus doué que toi. Bon. On va y aller, sinon je risque de m'énerver pour de bon. A bientôt, vous autres, et prenez soin de vous. Envoie. Oh merde, Roskalem, il veut se faire du mal. Ah, décidément, rien ne changera jamais entre Ida et Papa Limo. Enfin, nous ferions mieux de nous mettre en route aussi. Je suis sûr qu'un éclaireur des deux vipères se fera un plaisir de nous accueillir à la tour d'Amaricet. Bon, voilà. Bon, du coup, avant que ce soit l'apocalypse, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne et que j'aille manger un petit bout. Comme ça, on ira à la tour d'Amaricet après manger. Et on enchaînera les plot twists de manière très intensive, ma foi. En tout cas, je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas, évidemment, à follow la chaîne si c'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve vers 14h15 pour la suite de nos formidables aventures dans Eorzea. Et puis voilà. Allez, moi je vous souhaite bon appétit si vous n'avez toujours pas mangé. Et je vous fais des bisous. Allez, ciao. Ah merde, ah ça marche pas, c'est vrai. Ah putain. Attends, reviens OBS. Elle est où ma souris? La souris est là. Voilà. Des bisous.